Marcus est un poisson-chat. Marcus est un poisson-chat. Marcus est un poisson-chat. Mais qui est Marcus ? C'est un poisson-chat. Mais comment s'appelle ce joli poisson-chat ? Marcus. Marcus est-il le poisson-chat ? Oui, Marcus est le poisson-chat. Marcus est donc le poisson-chat. Marcus est le poisson-chat. Mais le poisson-chat est-il Marcus ? Marcus est le poisson-chat. Poisson-chat, mais sans savoir tel était le Marcus. Marcus qui trépassait en fut poisson-chat. Un poisson-chat dans une rivière remontait le courant et découvrit une anguille. Marcus le poisson-chat. Poisson-chat gourmand, poisson-chat gourmet, mais n'en était pas tant le Marcus. Le Marcus, bien à son aise, avait rencontré l'anguille, qui, ne lui déplaise, nageait plus vite que Marcus le poisson. Marcus, à l'aube de la clairière, se tendait tranquillement au bord de la brise. La brise soufflait une fois, deux fois, Marcus le poisson-chat. Marcus le poisson-chat, Marcus le poisson-chat. Ainsi se termine l'histoire du poisson-chat. Marcus le poisson-chat.